What's up guys, welcome back to my channel. Je vous ai porté 7 conseils à nous pour capable améliorer la photographie. On a la vidéo. Premier conseil là qui s'agit, mettez la caméra sous manuel. Manuel mode, ok? Manuel, automatique, il va bon. Manuel mode, là sous manuel mode, vous contrôlez tout le bagage. Vous contrôlez ISO, ouverture, vitesse. Là c'est vous-même qui gérez la caméra. Deuxième conseil, qui format ou bien choisir pour faire photo? RAW, JPEG. Nous avons une vidéo spécialement pour ça sur RAW, JPEG pour capable faire différence qui format qui est bon. Moi-même, je choisis RAW parce que RAW vous capte plus définition dans la photo. Si une photo est faite comme si on côté qui te manque de lumière, là, il est facile pour attraper ça dans l'editing photo. Ok? Troisième conseil là qui s'allie. Pas négliger faire photo tout seul, je veux tout que tu à la petite caméra, faire photo, comme ça on va pas améliorer. Quatrième conseil, focus, des focus automatique, des focus manuel. Ok, manuel focus, moi c'est le plus bon parce que c'est vous-même qui gérez tout, donc moi c'est le plus bon. Cinquième conseil, quel logiciel vous utilisez pour faire editing photo? Vous avez un paquet de logiciels, des Photoshop, des Lightroom, des Capture One. Moi spécialement, on utilise Photoshop. So, on va mettre le lien dans la description pour pouvoir download ici ou pas gagner. Sixième conseil là, c'est pas un pile matériel qui va faire belle photo. Avant tout, c'est bon réglage, ok? Retirez ça dans la tête. Un pile matériel, pour garder un pile matériel ou pas jamais capable de faire une bonne photo. Ok? C'est bon réglage avant tout. Septième conseil là qui s'allie, c'est ou regarder vidéo là ou que je m'abonne toujours. Alors le septième conseil là qui s'allie, qui c'est cadrage. Cadrage est important dans la photo. Je vais vous faire une vidéo sur cadrage pour me parler en plus qui s'allie cadrage. So merci en pile, j'espère que nous t'es satisfait de la vidéo. Si vous aimez, like, commenter, partager. Et puis tout, pas négliger de poser une question dans les commentaires. C'est assez à mon plaisir pour me répondre. So merci en pile, n'apprenons dans une autre vidéo. Ciao!